Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas exploré l'histoire d'un des personnages de la famille Weasley. Pourtant, on sait que vous adorez vous plonger à la découverte ou à la redécouverte de toutes ces personnalités qui sortent un petit peu des sentiers battus. J.K. Rowling, vous le savez, a mis une profondeur extrême dans sa manière de décrire globalement, on va dire, à peu près tous les personnages du monde magique, mais principalement la famille Weasley et les mécanismes qui lui sont intrinsèques. La famille Weasley, au fond, c'est un peu la famille dont tout le monde aurait pu rêver quand il s'est senti dans une position, pourquoi pas, de déséquilibre à un moment ou à un autre dans son environnement familial. Ce qui a d'ailleurs très probablement été le cas de J.K. Rowling à plusieurs reprises dans son histoire personnelle, qui, vous le savez, est une histoire personnelle relativement compliquée, avec une relation très fusionnelle avec sa mère et une relation beaucoup plus distendue avec son père. La famille Weasley sert en fait de refuge presque ultime dans Harry Potter. C'est une famille refuge pour Harry Potter, ça l'est également pour l'Ordre du Phénix, mais aussi pour tous les résistants au final vis-à-vis des forces du mal. C'est un havre de paix, un peu le fond comble de l'univers de Tolkien, le dernier espace un peu libre d'insouciance dans un monde de ténèbres, et ça tout au long de la saga, on nous le ressort. Il n'est donc pas très étonnant que J.K. Rowling ait fait de la famille Weasley une famille très particulière qui a un rôle bien particulier dans l'univers du monde magique, mais aussi comme antagoniste en fait principal et contre-modèle de toutes les autres familles de sang pur que l'on peut croisé dans les intrigues de Harry Potter, ou même plus largement d'ailleurs dans toutes les intrigues du monde magique, notamment dans la saga des Animaux Fantastiques. Il y a, il est vrai, une fascination tout à fait collective pour les mécanismes intrinsèques à la famille Weasley, à tel point d'ailleurs que même pour Hogwarts Legacy, il a fallu inventer d'illustres représentants de cette famille, qui, rappelons-le, n'ont d'ailleurs absolument aucune existence réelle dans la timeline de J.K. Rowling, en tout cas à ce stade. Alors, il est vrai qu'un Poudlard sans Weasley, ça paraîtrait presque comme étant quelque chose de particulièrement incongru. En fait, les Weasley, tout au long de l'aventure de Harry Potter, ont pris une telle place au fur et à mesure que l'on pourrait presque dire que les Weasley étaient là longtemps avant Harry Potter et le sont presque longtemps après. Donc on est vraiment un peu dans une notion du passé, du futur et du présent qui sont donc franchement, pour les Weasley, un très large terrain de jeu. Alors, les personnages qui sont inventés dans Hogwarts Legacy, encore une fois, ce ne sont pas les personnages qui sont issus des réflexions et, on va dire, des pensées de J.K. Rowling. Bien au contraire, ce sont des personnages qui n'ont absolument aucune existence à ce stade et dont J.K. Rowling n'a pas du tout accrédité la thèse d'une existence. On a un peu de mal, effectivement, à croire qu'une Matilda Weasley puisse être directrice adjointe de Poudlard à l'époque de Phineas Nigelus Black, qui est quand même une période qui est relativement bien documentée dans les livres. On en aurait quand même entendu parler, et forcément, à un moment ou à un autre, compte tenu de la place des Weasley, enfin, ça serait ressorti. Là, en l'occurrence, pour nous, c'était une petite incohérence, alors évidemment, ça faisait plaisir en tant que fan, mais bon, en l'occurrence, là-dessus, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de mal à y croire, il y a quelque chose qui relève un peu du domaine du fantasme et de l'impossible. Bref, mais puisque nous sommes justement en train de parler de temps antérieur à l'arrivée de Harry Potter à Poudlard, nous avons souhaité aujourd'hui vous parler du second fils de la famille Weasley, qui fait partie des très grands oubliés de la version cinématographique d'Harry Potter, puisqu'il a souvent été mentionné, mais a été totalement, quasiment, on va dire, invisible durant l'ensemble des adaptations. Alors, pour être tout à fait honnête, effectivement, il y a un acteur qui avait été casté pour le rôle de Charlie Weasley, mais qui n'est apparu que dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et encore, il n'est apparu véritablement que parce qu'il est au centre de la photo, vous vous souvenez, de la Gazette du Sorcier, en fait, qui retrace le voyage des Weasley en Égypte. Et ensuite, c'est tout. Cet acteur n'a jamais été vu sur aucune autre scène et n'a d'ailleurs jamais été crédité sur aucun des autres films de Harry Potter, depuis Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, on veut dire que vraiment c'est un personnage qui a été complètement oublié. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'en fait, c'est celui qui a été, dont il aurait été presque le plus facile d'introduire, puisqu'on sait par exemple que Shirley Weasley se trouve à Poudlard au moment de l'intrigue de Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc il y avait quelque chose d'assez étrange, mais c'est vrai qu'il a été en tout cas purement invisible sur l'ensemble des adaptations, et ça c'est quand même quelque chose qu'il fallait noter. Alors, il est tout à fait juste de dire que Charlie Weasley, c'est pas non plus le Weasley le plus connu dans les aventures écrites par J.K. Rowling. Mais, après tout, nous on se dit que c'est pas parce qu'il est peu présent dans l'aventure que son rôle au final est inexistant. Percy Weasley, dont nous vous avons raconté une partie de la vie et de l'existence dans une précédente vidéo, était après tout un personnage
essentiel à l'histoire à sa manière, et même si, quelque part, il n'était pas en première ligne. Il a été la source, on le sait, de très nombreuses intrigues, de nombreuses disputes aussi, mais ça a également été un révélateur un petit peu des faiblesses humaines au sein d'une famille qui, pourtant, de base, est tout à fait unie, et où tout aurait dû conduire, en fait, l'ensemble des enfants vers un objectif tout à fait commun. Charlie Weasley, c'est un peu un autre sujet, car il n'interagit en fait que très peu dans l'intrigue, tout en y tenant une place qui est centrale en tant que membre d'une famille Weasley qui ne peut pas être considérée comme étant en fait une succession d'individualités, mais bel et bien en fait en étant une addition d'individualités, ce qui permet en fait à cette famille de trouver son équilibre et de trouver véritablement un équilibre que l'on ne trouve dans aucune autre famille du monde magique à ce stade. Charlie Weasley, en tout cas, donc, est l'une des composantes. On sait qu'il est donc le second enfant de la fratrie Weasley, puisqu'il est né après Bill dans les années donc 1972 a priori. Le contexte de sa naissance est un contexte que nous ne connaissons malheureusement que trop bien, puisqu'il s'agit du contexte de la première guerre du monde des sorciers, qui est, en ce temps-là, un niveau d'intensité proprement stupéfiant où Voldemort débute son ascension vers le sommet du pouvoir. On sait que la première guerre du monde des sorciers se distingue de la seconde. Si les enjeux demeurent globalement à peu près les mêmes, ils sont extraordinairement différents dans la mesure où la première guerre a fait l'objet d'intenses préparations et de combats qui ont été évidemment beaucoup plus assumés et beaucoup plus violents, et aussi sur un temps, évidemment une temporalité qui est tout à fait différente, puisque vous le savez, la première guerre du monde des sorciers s'étale globalement à peu près sur une quinzaine d'années, voire un petit peu plus. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez différent de la seconde guerre. Malgré des difficultés internes, en plus, lors de cette première guerre du monde des sorciers, on sait que le ministère de la magie s'est battu à cette époque, contrairement à ce qui a été le cas dans les événements de Harry Potter. Appuyé par l'ordre du Phénix, d'Albus Dumbledore, on assistait donc à une véritable guerre entre deux camps, guerre qui faisait, on le sait, de nombreux dégâts aussi bien matériels qu'humains, mais le fait que la naissance de Charlie intervienne dans un contexte aussi compliqué n'est pas quelque chose, on va dire, de si anodin que ça. Arthur et Molly Weasley ont fait le choix de construire une famille dans cette situation politique bien complexe, ce qui indique bel et bien qu'il y avait quand même une volonté de leur part de ne pas donner aux événements extérieurs une place qui viendrait stopper le développement d'une famille placée sous les engagements du mariage. Cette guerre ne devait absolument pas éteindre l'espoir d'une vie meilleure et l'espoir d'une vie rendue plus belle et rendue plus forte par la construction de la famille qu'ils souhaitaient dans le cadre de leur engagement l'un envers l'autre. Il est d'ailleurs tout à fait pertinent de s'arrêter quelques instants sur cette dimension dans la mesure où l'on voit aujourd'hui toute l'actualité du message qui a été délivré par J.K. Rowling dans ses livres. Aujourd'hui, si l'on écoute un petit peu toutes les cassandres qui se répandent sur les réseaux sociaux et les médias, la construction d'une famille, le fait d'avoir des enfants, serait jugé comme étant quelque chose d'absolument irresponsable parce que la planète se réchauffe, parce qu'il y a des guerres à droite, parce qu'il y a des guerres à gauche, parce que c'est l'inflation, parce que c'est la fin de l'abondance, parce que la fin du monde approche. Enfin, on est grosso modo dans quelque chose où, globalement, construire une famille, c'est devenu quelque chose de mal, voire de suspect. Nous ne sommes absolument pas des fanatiques des logiques apocalyptiques. Notre vision est absolument tout autre. J.K. Rowling, dans la construction de cette famille Weasley, c'est surtout et avant tout le fait, en fait, de démontrer que rien ne peut justifier d'abandonner ni ses rêves, ni sa volonté de faire famille. Peu importe le contexte, renoncer à l'espoir, c'est renoncer à une part de son humanité. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, surtout quand on veut nous coller aujourd'hui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, tout un tas de choses. Arthur et Molly Weasley accueillent donc leur deuxième enfant dans ce contexte très particulier. On sait que les deux parents ne sont pas particulièrement, en tout cas pas personnellement impliqués de manière directe dans le déroulé de cette première guerre du monde des sorciers. Ils le sont cependant, vous le savez, indirectement, puisque l'on sait que les deux frères de Molly Weasley, dont on vous parlait déjà dans plusieurs vidéos, Fabian et Gideon Prewett, étaient particulièrement impliqués dans le fonctionnement de l'Ordre du Phénix, à un point où ils vont malheureusement aller jusqu'à perdre la vie lors d'un raid contre plusieurs Mangemorts, dont d'ailleurs le sinistre Antonin Dolohov, dont on vous a déjà parlé dans une vidéo que vous pourrez retrouver dans la playlist spécifiquement consacrée au personnage. L'implication ou la non-implication, on va dire, d'Arthur et Molly Weasley ne veut pas dire pour autant qu'ils ne s'intéressaient pas du tout à ce qu'il pouvait se passer dans le monde des sorciers. Et encore pire, qu'ils pourraient se situer dans une certaine forme de neutralité vis-à-vis du Seigneur des Ténèbres et de ses idées, ou même dans une certaine forme d'ambiguïté. C'est d'ailleurs, franchement, absolument tout le contraire. Il faut bien comprendre qu'à ce stade de leur vie, Arthur et Molly sont à un stade où l'important est de développer du mieux possible leur famille dans des conditions les plus optimales possibles. Et donc,
dans ce contexte, encore une fois, qui est très particulier. Arthur et Molly Weasley ont fait un choix, celui donc de ne pas s'embarquer dans une aventure qui viendrait, il est vrai, mettre en danger l'amour qu'ils développent au sein de leur famille. Quand on est parent de jeunes enfants, il peut paraître en effet un peu irresponsable sur les bords de se lancer dans une guerre à l'issue bien incertaine. Alors, très loin de nous l'idée de vouloir dire par exemple que les Potter avaient une case en moins en s'impliquant directement dans le combat contre les forces de Lord Voldemort. Tout est question de choix et l'un comme l'autre demeure tout à fait respectable et ne peut être ni attaqué ni frappé d'une quelconque indignité, là-dessus soyons très clairs. La première guerre du monde des sorciers présente une logique différente vis-à-vis de la seconde. Les combats sont certes tout aussi violents, mais Voldemort souhaite gagner le pouvoir pour en user, pas le détruire pour remodeler le monde à sa manière, en tout cas de manière aussi rapide que c'est le cas dans la seconde guerre du monde des sorciers. Les deux solutions, vous allez nous dire, et à raison d'ailleurs, finissent par se rejoindre, mais il faut bien prendre en considération que les méthodes comme la temporalité étaient tout à fait différentes dans leur mise en œuvre et ainsi que dans leur intensité. C'est quand même un paramètre qui est très important à prendre en considération pour bien comprendre le contexte historique. Pour ce qui est de Charlie, qui demeure notre sujet du jour, ne l'oublions pas, il suit un parcours à peu près similaire à celui que nous vous avions décrit au sujet de Percy, en tout cas pour ce qui relève de sa petite enfance, c'est-à-dire de la période qui précède son entrée à Poudlard. On n'a absolument aucune trace qui pourrait laisser à penser que les Weasley ont fréquenté à un moment ou à un autre une quelconque école de Moldus, qui est une possibilité d'ailleurs, vous le savez, qui est offerte aux enfants du monde magique qui n'ont pas l'obligation effectivement d'aller obligatoirement soit sur de l'école à la maison, soit dans une école où il n'y aurait que des sorciers. Hein. Il est toujours apparu d'ailleurs de manière assez claire que la scolarité élémentaire se faisait par exemple chez les Weasley à domicile et non à l'extérieur, mais ce qui n'était pas le cas pour évidemment tous les enfants de sorciers. Alors, en l'occurrence, du côté des Weasley, on peut imaginer que c'était probablement pour s'assurer qu'au vu du nombre d'enfants dans la famille, des phénomènes magiques et intempestifs qui auraient été un petit peu trop nombreux n'attirent pas, on va dire, l'attention dans une petite communauté, puisqu'on sait qu'ils habitent à la campagne. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas attirer l'attention, et ça, on peut le comprendre. Il est donc confié, ce petit Charlie Weasley, aux bons soins de Molly Weasley, dont on connaît évidemment les qualités maternelles dont nous vous parlions dans une vidéo spécifiquement dédié à la question de la maternité dans Harry Potter. Il acquiert, on l'imagine, de nombreuses compétences qui passent nécessairement par l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais aussi des mathématiques ou d'autres matières, d'ailleurs, qui lui permettent d'acquérir une culture générale suffisante à une entrée à Poudlard. Il grandit donc dans l'affection de sa mère, mais aussi de son père, qui, effectivement, est occupé à réaliser de nombreuses tâches pour le ministère de la magie dans le contexte de la première guerre du monde des sorciers. Arthur Weasley n'est pas un père totalement absent non plus. Il serait tout à fait faux d'évoquer, on va dire, une telle théorie qui ne ressemblerait d'ailleurs ni de près ni de loin à la réalité. On sait qu'Arthur transmettra d'ailleurs à la majorité de ses enfants, et Charlie en particulier, un certain goût pour tout ce qui sort de l'ordinaire dans le monde des sorciers. On connaît notamment sa passion pour les moldus, mais ce qui compte c'est surtout la transmission du goût pour la curiosité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Charlie va effectivement se passionner pour quelques petites choses, vous allez le voir, absolument extraordinaires. Évidemment, c'est aussi un enfant qui grandit dans un contexte de guerre où il va être impacté directement, par exemple, par la mort de ses deux oncles maternels dont on vous parlait précédemment. Cette mort, peu importe l'âge d'ailleurs de Charlie à laquelle elle va survenir, va forcément le marquer dans la mesure où il observera nécessairement la détresse immense de sa mère, la tristesse immense de son père, et on imagine sera donc un des acteurs de ce temps du deuil qui est souvent peut-être l'une des plus grandes difficultés qui peut survenir dans un parcours de vie, mais aussi dans un parcours évidemment de guerre. Il n'est pas dit explicitement ce que pense directement Charlie Weasley de cette mort, mais elle demeurera cependant suffisamment marquante pour qu'il ne se pose pas trop de questions au moment où la seconde guerre du monde des sorciers va éclater, puisque l'on sait qu'il s'engagera aux côtés de l'Ordre du Phénix de manière très très rapide et quasi immédiate. Outre cet épisode très douloureux, qu'il soit d'ailleurs fondateur ou non dans sa psychologie, son enfance est globalement heureuse et lui permet de grandir dans une certaine stabilité avec ses frères et sœurs. Le terrier, la bonne vieille demeure familiale, est un foyer qui est propice au développement d'une enfance heureuse et qui lui permettra d'évoluer effectivement positivement dans sa vie de jeune et dans sa vie d'adulte un peu plus tard. Il assistera à la fin de la première guerre du monde des sorciers, à un âge où il sera quand même en capacité de comprendre les enjeux puisqu'il aura à peu près 9 ans à cette époque-là lors de la défaite de Lord Voldemort.
Il n'est pas en capacité évidemment de comprendre évidemment tous les tenants et aboutissants, mais cela ne peut être qu'un moment puissant, en tout cas et fondateur, quelque part dans la mesure où l'événement est quand même suffisamment marquant pour qu'un jeune enfant puisse le retenir et que cela devienne quand même, on va dire, assez significatif dans sa psychologie. On ne connaît pas à Charlie Weasley de développement particulier d'amitié durant sa petite enfance. On a souvent l'impression que les Weasley sont un petit peu isolés au terrier et qu'en dehors de leur famille, il n'existe pas véritablement de lien particulier avec d'autres familles du monde des sorciers. Alors, on sait que la position des Weasley n'est pas quelque chose de facile. En effet, il s'agit d'une famille de sang pur, mais considérée comme étant traître à son sang, dans la mesure où ils n'ont jamais souhaité adhérer, soutenir ou même donner d'ailleurs un quelconque crédit aux théories concernant la pureté du sang et ou d'ailleurs aux théories qui affirmeraient la supériorité en fait des sorciers sur le monde des moldus. Ça n'a jamais été le cas. On peut donc imaginer que la majorité de l'enfance de Charlie Weasley se déroule dans une certaine forme de huis clos familial et ça peut-être qu'on aura l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Le huis clos familial, ça va mieux en le disant, c'est pas non plus un synonyme d'une quelconque dérive, par exemple sectaire ou autre. Ce n'est absolument pas le cas. Là-dessus, il y a évidemment tout un tas de choses sur lesquelles on essaiera de disserter dans une prochaine vidéo parce que c'est vrai que c'est un véritable sujet qui peut être quand même assez pertinent à regarder. Après le temps de la petite enfance, arrive nécessairement le moment de quitter le foyer familial pour rejoindre Poudlard. Cet événement est particulièrement important, on le sait, pour un jeune enfant du monde magique, car c'est le moment où il faut s'arracher un peu du confort du foyer familial pour apprendre la magie et surtout apprendre aussi à gagner un peu plus en autonomie. Charlie Weasley fait donc son entrée à Poudlard le 1er septembre 1984. Il est ainsi, on le sait, un contemporain de Nymphadora Tonks, sans pour autant d'ailleurs qu'on ne puisse véritablement confirmer qu'ils fassent leur entrée exactement au même moment à Poudlard. La chronologie n'est pas suffisamment précise en la matière. Le fait est que, si cela devait être le cas, pour le coup, ils n'ont pas été répartis dans la même maison pour la simple et bonne raison que l'on connaît l'appartenance historique et d'ailleurs revendiquée de Nymphadora Tonks au sein de la maison Poufsouffle, alors que Charlie Weasley, comme pour tous les Weasley, se retrouvera réparti à Gryffondor. On ne peut donc pas tabler sur la construction d'une quelconque amitié, même si le jeu Hogwarts Mystery laisse entendre et présager d'ailleurs le contraire. Mais comme vous le savez, Hogwarts Mystery, au même titre qu'Hogwarts Legacy, ne peut pas être considéré comme étant une source officielle. On ne peut donc pas accréditer cette théorie puisque J.K. Rowling elle-même ne l'a pas accrédité à ce stade. Donc pour l'instant, ça reste évidemment, on va dire, un peu de la fanfiction de qualité, mais de la fanfiction quand même. La scolarité de Charlie Weasley se déroule donc sous de bons auspices. On sait qu'il intégrera, comme tous les Weasley, à part Percy, l'équipe de Quidditch de sa maison, au poste notamment Trapper, un poste que l'on sait être totalement stratégique, et on sait ô combien Charlie Weasley va marquer, on va dire, les esprits dans cette position. Lors de sa troisième année, il commence à prendre un virage vers le monde professionnel, en tout cas dans le choix de ses options, notamment par le fait qu'il va choisir de prendre donc les cours de soins aux créatures magiques et donc aussi également l'étude des moldus. Il n'apparaît pas de manière très très évidente que Charlie Weasley était quelqu'un de particulièrement porté sur les études, en tout cas pas sur le volet scolaire et purement académique. De manière, on peut dire, assez claire, il entretient un lien particulier et plutôt une affection particulière pour le côté pratique de l'instruction et non pas nécessairement pour les enseignements théoriques, ce qui n'en fait pas d'ailleurs un mauvais élève, pour autant, tout au contraire. On sait très bien qu'il y a des élèves qui sont plus manuels, d'autres qui sont plus dans le théorique, et que les deux, ça fonctionne très bien, c'est comme ça que la société grandit, c'est plutôt pas mal pensé. Bref, on sait que lors de sa cinquième année d'études à Poudlard, il va être nommé préfet de la maison Gryffondor, marchant ainsi dans les pas de son grand frère Bill, et il sera imité d'ailleurs plus tard par Percy, puis par Ron, évidemment. On croit savoir aussi que c'est à peu près à cette époque-là, à moins que ce ne soit durant sa sixième année, la chronologie n'est pas très très claire, qu'il sera nommé comme capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, poste là aussi qui semble être presque une tradition dans la famille Weasley. On ne sait pas exactement quelles seront les performances exactes de Charlie Weasley à ce poste, mais on sait qu'il continuera antérieurement à son passage à Poudlard à avoir quand même une très solide réputation dans la matière, jusqu'à se faire même attribuer un trophée que l'on retrouve dans la salle des trophées de Poudlard, et ça nous est dit, je crois, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, si mes souvenirs sont exacts. On sait qu'il obtiendra par la suite ses aspics ainsi que son autorisation de transplanage. Pour mémoire, J.K. Rowling nous avait informé d'ailleurs que Charlie Weasley avait échoué à son premier examen et a donc dû s'y reprendre à deux reprises avant de le réussir. On sait qu'à l'issue de son parcours scolaire à Poudlard, Charlie se rendra en Roumanie pour étudier les dragons. C'est sans que l'on puisse véritablement expliquer tellement pourquoi, qu'il va se séparer à un moment ou à un autre de sa baguette magique
pour adopter un nouveau type de modèle, puisque l'on sait d'ailleurs que Ron va récupérer cette baguette pendant quelques temps, ce qui constitue d'ailleurs pour nous une petite forme d'incohérence, ou tout du moins un petit mystère en soi. Mais on sait que l'utilisation des baguettes magiques, et il faudrait vraiment qu'on en parle dans une vidéo, répond parfois à des logiques qui sortent, disons-le clairement, de toute logique en fait. Le fait est, en tous les cas, qu'il obtient de toute façon une nouvelle baguette, probablement plus à même de diriger, ou tout du moins d'essayer de contenir des dragons. On peut imaginer qu'il y ait des dispositifs magiques particuliers compte tenu des bestioles qu'il faut gérer. Enfin bref, tout ça n'est pas dit, mais en tout cas, il y a un sujet autour de la baguette magique de Charlie Weasley qu'on a du mal un petit peu à identifier, mais ça, c'est pas très très grave. On sait par contre qu'il ne donnera pas suite à sa carrière, évidemment, dans le monde du Quidditch, dans la mesure où il préférera effectivement suivre cette dangereuse piste des dragons plutôt que de se lancer dans une carrière internationale, même si son entourage laisse à penser effectivement qu'il aurait pu avoir une sacrée carrière au sein de l'équipe de Quidditch d'Angleterre. Entre les dragons et le Quidditch, son cœur a, semble-t-il, fait le choix, et donc, pour le coup, on est rentré vraiment dans cette logique. Alors, on va entendre parler de Charlie Weasley en réalité, nous, dès le premier tome de Harry Potter. On sait en effet que Arthur, Molly et Ginny vont laisser la plupart de leurs enfants à Poudlard durant les vacances de Noël pour rendre visite à Charlie en Roumanie. Ce n'est pas la seule fois dont nous allons entendre parler d'ailleurs de ce frère un peu oublié, puisque dans l'intrigue de Harry Potter à l'école des sorciers, on se souvient de toute la question qui tourne en fait autour du dragon Norbert, à qui par Hagrid, dans des conditions on ne peut plus étranges. Pour plus d'informations, on vous renvoie d'ailleurs à tout notre développement sur le professeur Quirrell que nous vous avions livré dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Alors, on précise tout de suite que, évidemment, il n'y a absolument aucun lien entre le dragon Norbert et le magizoologiste Norbert Dragono, puisque, vous le savez, dans la version originale, Norbert s'appelle bel et bien Norbert. Dans la version originale anglaise, Norbert Dragono s'appelle Newt Scamander. Et donc, forcément, ce n'est absolument pas les mêmes choses. Et là-dessus, il n'y a vraiment pas de lien. Le public français a voulu y voir un lien, parce que c'est vrai que c'était l'époque où on traduisait absolument tout. Mais là, en l'occurrence, ce n'était absolument pas du tout, du tout, du tout le cas. Bref, pour en revenir à cette histoire de Norbert, le dragon, Ron, Harry et Hermione, qui sont désireux de rendre un grand service à Hagrid en lui évitant tout un tas d'ennuis, vont contacter Charlie pour organiser la récupération donc de cette gentille bestiole qui n'a absolument rien à faire à proximité d'une école, hein, soyons très honnêtes là-dessus, et donc vont organiser, on va dire, un petit peu le départ précipité dans une aventure un peu rocambolesque, puisque ce sont des amis de Charlie qui vont venir récupérer le dragon pour l'emmener ensuite en Roumanie où effectivement il va être pris en charge donc par Charlie. Alors on sait ensuite que Charlie, donc là on est dans l'été qui sépare les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, va participer donc au voyage familial en Égypte où effectivement son père a été envoyé puisqu'il a gagné à la loterie de la Gazette du Sorcier, donc il va participer là pour le coup à ses vacances en famille qui restent effectivement a priori les seules vacances qu'ont pris les Weasley ensemble, hein, puisque évidemment vous le savez, les Weasley ne roulent pas sur l'or, et on sait ensuite qu'il reviendra l'été suivant, donc entre les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et la Coupe de Feu, donc il va revenir au terrier pour aller assister à la Coupe du Monde de Quidditch avec le reste de sa famille, et donc c'est la première fois qu'il va rencontrer en réalité Harry Potter. Alors, pendant effectivement que les Mangemorts vont foutre un peu le bazar sur la troisième mi-temps, comme on dit, on sait que Charlie va aller combattre tout de suite avec le ministère aux côtés donc de Percy, aux côtés de Bill et aux côtés de son père, puisque vous savez qu'ils sont donc tous les quatre majeurs et donc vont tenter d'essayer d'arrêter cette espèce de folie qui s'est emparée donc des Mangemorts qui ont décidé de faire un coup d'éclat. Et vous savez que dans ce genre de situation, on peut reconnaître évidemment tout le côté dramatique des choses. Donc, on sait ensuite que Charlie va rester quand même au terrier le reste de l'été, va apprendre à connaître Harry et Hermione. Donc ça, c'est quand même quelque chose là où il y a un lien qui s'est construit. Ce lien, il n'est pas inintéressant à explorer, alors même si ce n'est pas un lien très très puissant, mais c'est un lien, entre guillemets, qui s'est construit sur plusieurs choses. D'une part, sur le Quidditch, puisque évidemment, on peut imaginer que le lien entre Harry et Charlie est un lien qui se passe en fait d'attrapeur à attrapeur. Donc là-dessus, il y a quelque chose évidemment de particulier. Et puis forcément, Charlie Weasley, comme on vous le disait, il avait 9 ans au moment de la victoire de Lord Voldemort, donc forcément, il y a eu quand même, on va dire, un certain nombre, on va dire, de responsabilisations du côté de Charlie Weasley, qui s'est parfaitement rendu compte du rôle qu'a occupé Harry Potter, et du rôle que ce dernier occupe aussi au sein de la famille, qui est quand même un rôle, ma façon de toute, très particulier, qui mériterait d'ailleurs, en soi,
une vidéo sur le sujet. Bref, en tout cas, il reste donc à Poudlard, mais vous le savez, il y a aussi une très très bonne raison, c'est tout simplement parce que en réalité, Charlie Weasley, cette année-là, va passer beaucoup beaucoup de temps en Angleterre, hein. Donc pour mémoire, nous sommes dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, puisqu'il va participer, évidemment, au tournoi des Trois Sorciers, d'une manière tout à fait particulière, puisque, effectivement, il va s'occuper, avec ses petits camarades, d'amener les quatre dragons, donc à Poudlard, pour, évidemment, la première tâche. Donc là, là-dessus, on sait qu'il va y avoir tout un tas de manipulations qui vont permettre d'amener donc l'ensemble des dragons de Roumanie jusqu'en Angleterre. Alors on sait que ça a fait évidemment beaucoup travailler le ministère de la magie, mais on peut imaginer évidemment que quand on prend soin des dragons, ça donne aussi des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc on sait qu'ils ont utilisé des sortilèges d'endormissement et que bon, tout ça a été un petit peu compliqué et que bon, on sait que les dragons ont un caractère parfois un peu tendu. Donc on sait que globalement, Charlie Weasley va assister à la première tâche. On sait également qu'il va veiller particulièrement à ce qu'il ne se passe rien quand Harry donc, va se retrouver dans la fosse avec donc, cette gentille petite bestiole qui nous vient tout droit de Hongrie. Là, pour le coup, on sait que va y avoir quand même une certaine dose on va dire, d'impression très très positive de la part de Charlie Weasley vis-à-vis de la prestation de Harry Potter. Et ça, c'était quand même quelque chose voilà, d'assez extraordinaire, puisque là, pour le coup, c'est vrai que Harry Potter avait réussi à lier Quidditch et, on va dire, gestion des dragons, on va dire ça comme ça. Les deux avaient été gérés, et forcément pour Charlie Weasley, il y avait quelque chose évidemment d'un peu symbolique dans cette démarche-là, et quelque chose qui l'a quand même un petit peu intéressé. Donc là, pour le coup, c'était véritablement quelque chose d'assez intéressant. Alors, à la base, il devait revenir, hein, puisqu'il avait parlé de revenir pour la troisième tâche du tournoi des Trois Sorciers, mais ce ne sera pas le cas, ce qui fait que c'est la dernière fois qu'on verra véritablement Charlie Weasley avant qu'on débarque donc sur la question déroulement de la Seconde Guerre du monde des sorciers. Alors on sait que Charlie Weasley va très rapidement rejoindre, donc comme l'ensemble de sa famille, l'Ordre du Phénix qui a été donc remis en place par Albus Dumbledore, qu'il va donc s'opposer directement à Lord Voldemort. Alors Charlie Weasley, c'est pas comme l'ensemble de ses frères et sœurs qui sont entre guillemets soit directement soit implicitement impliqués. Là c'est un peu différent. Lui, il va surtout être à l'étranger, recruter des sorciers à l'étranger pour ramener des sorciers dans cette espèce de logique de lutter contre Lord Voldemort. Alors on ne sait pas exactement si ça fonctionnera véritablement très très bien, mais voilà, c'est quelque chose qu'il va faire. Alors là-dessus, il y a un positionnement qui est assez différent de Bill, hein. On sait que Bill, qui travaille pour la banque Gringotts, avait été donc nommé en Angleterre pour pouvoir effectivement participer de manière beaucoup plus active aux activités de l'Ordre du Phénix. En l'occurrence, Charlie, ça n'a pas été le cas, donc on a un peu de mal à mesurer à ce stade-là, en tout cas au début de cette nouvelle période de l'Ordre du Phénix, on a un peu de mal à mesurer exactement le niveau d'implication. Alors on sait qu'il sera de retour donc l'été entre les événements de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé et de Harry Potter et le relique de la mort pour le mariage évidemment de Bill et Fleur. Donc on sait également qu'il va participer à l'anniversaire donc de Harry Potter, et c'est à ce moment là où il va croiser évidemment Hagrid, et on va avoir en fait des nouvelles de Norbert le dragon dont on n'avait pas eu de nouvelles en fait, ou très très peu de nouvelles, je crois que c'est tout juste mentionné dans Harry Potter et la Coupe de Feu, si mes souvenirs sont exacts, et que maintenant, en fait, ils avaient découvert que Norbert n'était pas Norbert, mais Norberta. Donc, on n'est pas du tout sur une question trans, mais c'est juste que Hagrid n'avait absolument aucune connaissance en dragon. Et on ne peut que remercier Harry, Ron et Hermione d'avoir enlevé ce dragon des environs de Poudlard, puisque, encore une fois, dans aucune école, y compris une école de magie, un dragon ne peut avoir sa place. Bref, en tout cas, on sait ensuite qu'il y a le mariage. Bon, le mariage, vous savez, il va être un petit peu perturbé par les événements qui découlent de la chute du ministère de la magie. Alors, on sait évidemment qu'il va être interpellé par les mange-morts donc, du ministère, qu'il va être interrogé comme toute sa famille. Et puis ensuite, on ne sait pas trop exactement ce qui va se passer. En tout cas, il ne réapparaît pas dans les événements de Harry Potter et les reliques de la mort avant la bataille de Poudlard. Donc, on peut imaginer soit qu'il est retourné en Roumanie, soit effectivement qu'il s'est caché pendant quelques temps, comme l'ont fait certains membres de sa famille, mais en tout cas, ce n'est absolument pas, mentionné. Alors, on sait évidemment que ensuite il va rejoindre la bataille de Poudlard, hein, là-dessus, c'était quelque chose d'assez évident. Alors, on sait qu'il ne va pas arriver de manière
totalement immédiate. En tout cas, ce n'est pas dit. C'est-à-dire qu'on sait que la majorité de la famille Weasley va arriver donc par l'intermédiaire de l'appel qui avait été lancé par Neville Longdubat. Charlie va arriver un petit peu plus tard, un petit peu plus tard. Alors c'est peut-être parce que effectivement il était assez éloigné, mais voilà, on sait qu'il va arriver à peu près globalement après la première moitié de la bataille, c'est-à-dire une fois que son premier frère jumeau, donc Fred, enfin quand son frère Fred est décédé, on sait que là Charlie va se retrouver confronté à tout ça et que à partir de ce moment-là, bah évidemment il va s'engager pleinement dans la bataille et donc dans la seconde partie de la bataille de Poudlard. On sait qu'il va notamment se battre avec Horace Slughorn. Hein, eux et lui vont effectivement, on va dire, participer au système, on va dire, d'évacuation pour tous ceux qui étaient à Préola. Donc on va être véritablement un petit peu dans cette logique-là de, on va dire, tenter d'organiser les choses un peu en arrière-plan pour favoriser un petit peu tous les défenseurs de Poudlard. Après, une fois que tout ça est fait, on sait qu'il va assister à la dernière bataille entre les Mangemorts donc et les membres de l'Ordre du Phénix, et puis ce qui reste globalement de l'armée de Dumbledore. On sait que tout ça va être extrêmement violent. On sait évidemment que ceux qui sont là pour se battre pour Poudlard vont connaître, on va dire, un certain nombre de déconvenues, mais on sait aussi évidemment qu'il va prendre à un moment donné part dans la grande salle effectivement à ce combat, sans qu'il ne soit mentionné d'ailleurs d'action particulière. Alors on sait qu'il va assister évidemment au moment où sa mère va tuer Bellatrix Lestrange et au moment où Harry va tuer Lord Voldemort. Ça, on sait qu'il y assiste, mais on peut pas exactement dire exactement quelle a été, on va dire, son implication directe ou indirecte dans la bataille. Ce n'est pas quelque chose qui a été montré dans les écrits et ce n'est pas quelque chose qui a été montré non plus dans les adaptations cinématographiques. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose. Alors, il faut savoir qu'après la bataille de Poudlard, Charlie Weasley, lui, dans son arbre généalogique, a priori, il n'y a pas eu de descendance ni de mariage. Alors, pendant très longtemps, il y a eu une rumeur qui laissait à penser que Charlie Weasley était homosexuel. C'est ce qui avait été dit par beaucoup, beaucoup de fans. Et J.K. Rowling avait été interrogée là-dessus. Et elle avait répondu que ce n'était absolument pas le cas, en l'occurrence, mais qu'en fait, pour Charlie Weasley, il était à un stade de sa vie où, en fait, ce qui comptait, c'était surtout les dragons et pas nécessairement les relations humaines particulières. En tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui était intéressé par, effectivement, avoir un quelconque attachement romantique avec qui que ce soit. Mais en tout cas, elle a démenti de manière assez évidente le fait qu'il était homosexuel, ce qui, encore une fois, n'emporte absolument aucun sujet, hein, puisque des personnages homosexuels dans Harry Potter, on sait qu'il y en a, notamment Albus Dumbledore. Mais en l'occurrence, là, Charlie Weasley, ce n'était absolument pas le cas. Et pourtant, beaucoup de fans avaient voulu l'imaginer comme tel. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, comme les époques changent, maintenant, on veut dire qu'il était asexuel, je ne sais pas quoi. Non, en réalité, voilà, J.K. Rowling a juste expliqué que ce n'était pas ce qui l'intéressait, en tout cas, à ce moment-là de sa vie. Là-dessus, il faut arrêter de vouloir faire un certain nombre de logiques, parce que on n'est pas du tout dedans. Donc, on sait ensuite que Charlie Weasley va quand même continuer à vivre sa vie de célibataire, mais sa vie à la fois de passionné de Quidditch et de spécialiste en dragon, puisqu'on sait qu'il assistera notamment à la Coupe du Monde de 2014. Mais bon, voilà, en tout cas, il n'y a pas, sujet derrière. Alors on sait que Rita Skeeter, effectivement, se posera un certain nombre de questions sur, la manière dont Charlie Weasley voit sa vie en tant qu'homme célibataire. Mais en l'occurrence, là, J.K. Rowling a clairement fermé la porte sur ce sujet-là, donc il n'y a pas plus de questions à se poser. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur le personnage de Charlie Weasley, qui, vous l'avez vu, est un personnage qu'on ne connaît pas bien, mais qui en fait est assez intéressant et dont le contexte de naissance en fait apporte quand même vraiment pas mal de choses. Nous, en tout cas, c'est un personnage qu'on a trouvé assez intéressant d'étudier, même si c'est vrai que malheureusement on manque un petit peu de base de données dessus. J.K. Rowling n'a pas forcément toujours beaucoup parlé de lui. Il y avait peut-être plus de choses à parler, mais nous, c'est, comme tous les Weasley, de toute façon, c'est un personnage par essence qui est extrêmement important. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de ce personnage, sachant qu'on avait déjà traité Ginny, sachant qu'on a déjà traité Percy. Bon, voilà, il fallait absolument qu'on traite Charlie. Il nous reste encore quelques enfants Weasley à traiter, également des petits-enfants. Donc, ça aussi, il va falloir qu'on s'y mette assez sérieusement. Mais voilà, on voulait vraiment vous faire cette vidéo personnage depuis un petit moment, mais vous savez qu'entre-temps, on a eu deux, trois petits phares au feu, et notamment
notamment le fait de se marier, puisque ça nous a pris évidemment un petit peu de temps de préparer tout ça. C'est pour ça peut-être que vous avez remarqué qu'on n'a pas toujours été, on va dire, à l'heure précise pour publier certaines vidéos et tout. Mais c'est parce que voilà, on a connu donc ce grand bonheur dans notre vie et que nous avions donc évidemment un petit peu de choses à faire. Donc c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de Charlie Weezy. Est-ce que c'est un personnage que vous auriez aimé découvrir un petit peu plus? Est-ce que vous auriez aimé le voir effectivement un petit peu plus dans les adaptations cinématographiques? Dites-moi un petit peu tout ça. Et on se retrouve donc dès samedi pour un nouveau Let's Play. Et la semaine prochaine, il est fort probable, on a bien dit fort probable, pas certain, mais fort probable, que l'on fasse un petit tour du côté des animaux fantastiques. Et ça, on vous en reparlera. Donc, on vous laisse ici pour cette fois-ci. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.